Riku! Riku! Wow! Riku! Ansem did say anything could happen. Riku, you gonna take that off? Oh. What was that? His eyes couldn't lie. Lie? And just who were you trying to fool? Huh? Huh? Myself. Riku, come on, man. Why did you try to do so much on your own? You've got friends, like us. Have you forgotten? I'll tell you why. Because I'm not a total sap like you. Say that again. What should we do, Riku? We must defeat Xemnas. He's the organization's last survivor. Right. Come on. Bon, alors, on va prendre quelques instants. Xemnas est le simili de Xehanort. Donc, il ne peut pas savoir, ou alors, enfin, en tout cas, il n'est pas censé parler de lui à la première personne quand il se fait... Il n'est pas censé parler de lui à la première personne quand il se fait... quand il raconte les événements entre Xehanort et lui. Et entre Xehanort et Ansem, pardon. Enfin, non, pas Ansem, entre Xehanort... Mais si, c'est ça, entre Xehanort et Ansem. Enfin, Xehanort, Terranort, voilà, on va appeler ça comme ça. Entre Terranort et Ansem. Deuxièmement, pourquoi est-ce que quand Riku se voit péter une bombe à la gueule, il devient blanc et se fait rajouter un bandeau dessus? Voilà. Est-ce que c'était juste une bombe surprise, une bombe partie? Voilà. Donc si jamais vous avez des éléments de réponse à ces questions, là, franchement, je suis preneur. Je suis preneur. Bref, sur ce, écoutez, on va reprendre Dingo, parce que Riku est mignon, mais on veut pas de toi. Aura des ténèbres, bouclier des ténèbres. Bah si, allez, on va le prendre quand même un petit peu. On va le mettre un petit peu dans notre équipe quand même. Hop là, Donald. J'ai dit Donald, au revoir. Et donc du coup, voilà, là on a des petits simili. Écoutez, je pense qu'on va aller simplement au prochain point de sauvegarde. Et puis après on se laissera, ça fait déjà un bon épisode quand même. Alors, aura noir, qu'est-ce que ça fait? Ah oui non, c'est sa... comment dire, sa coopération. La coopération de Riku. Ah d'accord, c'est comme avec Sykes. Voilà. Hop là. Nickel. Bah écoutez, il fait pas grand chose le petit Riku. Alors. Ah d'accord. Ah ouais non, par contre c'est si vraiment les coopérations sont plutôt bien pensées. Alors par contre on va se soigner quand même à un moment donné. Face à face. Oula. Ah dommage, je l'ai raté. Non, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon d'accord, on a utilisé une potion sur Riku. Ok. C'est bon, ça s'est terminé. Mais voilà, quelques petits combats pour terminer avec Riku. Je peux pas faire aura noir s'il vous plaît? J'aimais bien aura noir moi.
On va pas faire au rat noir. On va juste faire les combos basiques de Sora. Hop là. Allez, hop, et toi, tu crèves, s'il te plaît. Nickel. Bon, et bien voilà, des bons petits combats. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Puissance du cercle de vie. Ouh. C'est bizarre, ça me rappelle vraiment rien du tout, ce truc. Ah d'accord, il y a des plateformes qui se créent au fur et à mesure. Là. Hop là, capoute. Un cristal nébuleux, ok. D'accord, donc elle se crée au fur et à mesure les plateformes. Nickel. Stylé. C'est stylé en tout cas, ça c'est sûr. Là, des petits mobs, ouais, évidemment. Oula, on a pris très très cher pour le coup. Hop là, et là, petit combo avec les lumières. C'est bon? Ah, attendez. Ouais, c'est bien ça, j'ai bien cru voir, j'ai bien vu. Il y a une pièce de puzzle juste là-bas, du coup on va essayer de la récupérer. Bon, quoi que Osef, de toute manière on aura un live où on ira récupérer toutes les pièces de puzzle. Donc ce sera l'occasion. Oula. Bon, vous savez quoi, j'en ai marre, on va faire forme suprême, non, on peut pas. Il faut être à 5 jauges de flux. Hop là. Et voilà, et de toute manière, voilà, ils sont bientôt tous morts, donc... Boum, ça c'est capote. Ok. Bonus PC, bah écoutez, c'est génial. Allez, maintenant on continue. Ouais, d'accord, il nous faudra vraiment la compétence à fond. Hop, on va faire maîtrise plutôt. Parce qu'au moins celle-là elle dure plus longtemps que suprême. Allez. Merci Sora. Allez, on bourre. C'est bon? Ils sont tous capoutes? Non, d'accord. Et on peut toujours pas prendre ça. Faudra peut-être tester avec sagesse. On verra ça. Allez. On continue notre chemin. C'est parti. Là, on va avoir un nouveau petit combat. Non? Oh, je suis presque déçu. Bon, on va annuler au cas où il y a une cinématique devant. Enfin, de l'autre côté. Sora, Riku! There's gonna be no end to this. Together, we can stop them. Begone from here. Leave these creatures to us. But there's no way we could take them all. I will be sending them after Xemnas. Or perhaps you would rather fight them yourself. Frankly, my dear, I'd rather run. Off with you then. Well, if it ain't the boat boy King. Time to weigh anchor, Captain Pete. What, like abandoned ship? I don't think so. Sora, your majesty, do not forget, when I've destroyed them all, this castle shall be mine. Now looky here. Opportunities like this don't come along every day, you know.
we gotta hurry. But... they're doing what their hearts command. We can't interfere. Très bien, donc du coup on en est à l'hôtel du Nord. Eh mais attendez, on va arriver tout en haut. Est-ce que du coup... Non, j'aimerais bien un petit point de sauvegarde avant d'affronter Xemnas, s'il vous plaît. Oh, my kingdom hearts. Ruined. Now, I'll have to start all over again. Warriors of the Keyblade, go forth and bring me more hearts. No! Denizens of Light, answer this. Why do you hate the darkness? Huh, we don't hate it. It's just kinda scary. But the world's made of light and darkness. You can't have one without the other, because darkness is half of everything. Sort of makes you wonder why we are scared of the dark. It's because of who's lurking inside it. Then allow me another question. You accept darkness, yet choose to live in the light. So why is it that you loathe us who teeter on the edge of nothing? We who were turned away by both light and dark, never given a choice. That's simple. It's because you mess up our world. That may be. However, what other choice might we have had? Just give it a rest. You're nobodies. You don't even exist. You're not sad about anything. Very good. You don't miss a thing. I cannot feel sorrow. No matter what misery befalls the worlds, no matter what you think, what you feel, or how you exist. Guys! Très bien. Alors d'accord, donc là on peut pas le péter. D'accord, donc du coup il faut qu'on aille par là-bas. Hop là. Et là, du coup, là, on peut le rusher. Ok, on combat déjà Xemnas. Non, il me semblait qu'il y a au moins un point de sauvegarde avant. On vient juste d'enchaîner Saïx. Allez, boum. Allez, boum, on le rush, on le défonce. Viens par ici, mon grand. On va te montrer tout ce que tes années d'expérience dans les ténèbres ne t'ont pas apporté. D'accord, hop, t'es par ici, très bien. Et on dirait, il utilise les techniques de l'inconnu, de KH1. Mais non, il utilise vraiment, c'est vraiment le... J'avais pas fait gaffe, mais c'est vraiment l'inconnu de KH1 en fait. Enfin, je veux dire, au niveau du gameplay, on le savait déjà que c'était l'inconnu de KH1. Mais là, au niveau des commandes, c'est vraiment l'inconnu de KH1. Ah ouais, non, mais ça fait vraiment du mal, miroir, par contre. Viens par là. Hop là, et là, on l'enchaîne. Allez. Ok.
Ok, faut refaire la faut refaire sa commande. Hop là, nickel, pas de soucis. On va l'affronter, on va monter. Allez, viens par là. Ah ouais, elle est stylée celle-là. Where's Xemnas? Hear me, Kingdom Hearts. It seems we must begin anew. Ah, but know this. I will give to you as many hearts as it takes. Mark my words. You can no more be complete without me than I without you. Heed me, Kingdom Hearts. Lend me your power so that we may be complete. The power to erase the fools that hinder us. Xemnas! No! Hearts quivering with hatred. Xemnas! Don't! Hearts burning with rage. Hearts scarred by envy. That fool Ansem said the heart's true nature was beyond his understanding. But it's not beyond mine. Hearts are the source of all power. You can't hide from us! We're not gonna let him get away now! Look at that! What's going on? Kingdom Hearts! Let's go. Xemnas must be inside. The worlds gave us this doorway. They want us to be the guardians of their destiny. Mm. Once we go through, there's no turning back. It's victory or oblivion. So, Sora, are you ready? Évidemment qu'on est prêt. Bon, juste avant d'y aller, Xemnas il nous a laissé des petites pièces de puzzle un peu partout dans les mondes et je voudrais les trouver. Donc du coup on va sauvegarder puis on passera par cette porte mais ce sera pour un petit peu plus tard. Du coup, les amis, je pense que cet épisode là sera coupé en deux, enfin je suis à peu près sûr. J'espère en tout cas que ces épisodes vous auront plu. Du coup, waouh, on a fait quand même une bonne succession de combats de boss entre Luxord, Saïx et Xemnas, et on va devoir cette fois-ci affronter pour de bon, on suppose, Xemnas. Et puis, si cet épisode vous a plu, ben restez pour la suite, parce que croyez-moi, on a une magnifique cinématique qui arrive après, une cinématique qui va me faire un petit peu rager, je pense, pour être honnête, pour ceux qui connaissent le jeu, vous saurez pourquoi. Mais bon, elle n'en reste pas moins magnifique pour autant. J'espère donc que vous serez là. On se retrouve très très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.